C'est pas grave si on fait ça, bien sûr, rien d'important. L'important, c'est de permettre de respirer profondément. Je chante dans une chorale parce que ça permet un contact avec des gens de tous âges, de tous sexes. Et je suis enchanté quand un jour j'ai dit à une des jeunes de la chorale, quel âge as-tu ? 22 ans, elle me dit. Mais j'ai dit, tu vois, j'ai 55 ans de plus que toi. Mais parce qu'elle me tutoyait, il me semblait que j'étais aussi jeune qu'elle. Je chante, j'oublie tout. Je vis vraiment quand je chante. Et j'ai toujours chanté. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours chanté. C'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. On est transporté de chanter avec les autres. Quand on chante seul, on a du plaisir physiquement à l'intérieur de soi. Parce que la voix traverse tout le corps et c'est vraiment un plaisir physique. Mais quand on est avec les autres, on a l'impression qu'on est... Moi, souvent, je pense à la 9e de Beethoven, « Quel magnifique rêve !» Tu vois, et ça te transporte, ça. Et c'est ce que je ressens en chorale. Ça fait du bien de chanter, quoi, ça. Parler, ça fatigue, des fois. Puis, alors que chanter, pour moi, ça me recharge en énergie, puis ça me zouk, ça m'amène ailleurs, quoi. Mon père chantait beaucoup, il a chanté pour le plaisir, comme ça, après en chorale et tout, jusqu'à 87 ans. Même ici, quand il venait, qu'il y avait des amis, si on était 6 ou 7, il disait bah, « je suis content, puisque vous êtes là, je vais vous chanter une chanson ». Et spontanément, il chantait une chanson. Donc chez nous, on a toujours aimé chanter. Et il se trouve qu'à peu près tous les enfants chantaient juste. Alors c'était vraiment pour le plaisir. Disons, je me surprenais déjà il y a 15-20 ans à chanter un peu tout seul. Bon, comme les gens m'ont dit autour de moi que je chantais pas trop mal, j'ai voulu continuer. Et puis chanter seul, bon, au bout d'un moment, c'est comme jouer seul. C'est pas enrichissant parce qu'on finit par se répéter, alors on a besoin de chanter avec les autres. Et bah, c'est l'occasion de rencontrer tout le La Salle. Ouais. C'est la grand-messe du samedi matin, la chorale. On y voit tout le monde, alors voilà. Et puis j'avais envie de chanter depuis longtemps. Et bah, je chante ici déjà. Alors ici, je chante. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens quoi, qui se réunissent ici. Moyen de connaître tout le monde. Et puis bah, quand tu commences à chanter, tu te rends compte que ça fait vraiment du bien. Un jour, je suis allé chercher des cigarettes chez Babé et Rémi, puis elle m'a dit au lieu de fumer, tu feras tu veux venir chanter. Alors j'y suis allé, et puis voilà, je suis resté collé. Et tu fumes toujours? ouais, mais ça permet de descendre bien bas aussi. Voilà. Chanter, ça veut dire oublier le reste. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « quand tu dis la vie est méchante, l'écho te répond « chante ». Et moi, chante, ça ne veut pas dire forcément que je sois content. Il m'est arrivé des problèmes de santé où j'étais dans la voiture, je souffrais d'une jambe et j'essayais de chanter pour dominer la douleur et ça réussissait assez bien. Et puis je chante en permanence. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune et que j'envisageais de me marier, je me disais je n'épouserai jamais une femme qui ne sait pas chanter. Elle chante, alors il nous arrive de chanter ensemble. J'essaie d'être fidèle parce que c'est important. Étant donné que je ne lis pas la musique et que je fonctionne avec l'oreille, si je viens pas aux répétitions, c'est ça m'est très difficile. Quand j'ai débuté la chorale, j'étais pas alto, j'étais soprano. Donc j'ai changé en cours de route.
J'ai changé parce que je n'aimais pas ma voix de soprano. J'aimais pas, j'aimais pas m'entendre. Et quand on entendait quelquefois les enregistrements, on m'entendait beaucoup et j'aimais pas ça. Parce que j'aime bien me fondre dans la masse, quoi. Quelques mois, de temps en temps, j'entends vraiment toute la chorale, quoi. Et là, c'est magnifique, mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis dans la voix de basse et je suis ce qu'il faut que je chante. Et j'ai pas encore l'oreille assez, je suis pas assez à l'aise dans le chant pour pouvoir écouter le reste, quoi. Ce qui est dommage, mais je pense que ça viendra. Et puis Fi m'a quand même mis dans une certaine décontraction qui fait que c'est plus facile de chanter, quoi. Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai chanté en basse, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je pouvais très bien monter et que j'étais plus à ma place chez les ténors que chez les basses. Alors, il y a un petit problème, là, il y a tout un aspect qui est assez rigolo, qui est le côté la représentation de la virilité que ça peut avoir, d'avoir une belle voix grave ou au contraire d'avoir une voix aiguë. Puis finalement, au bout d'un moment, je m'y suis senti très bien et je suis très content maintenant de chanter en ténor. On a souvent des choses plus intéressantes à chanter, je trouve. C'est pas juste la ligne de basse qui est en accompagnement, c'est des choses plus sophistiquées. Pour moi, c'est intéressant. Et puis, ça a correspondu aussi au fait que je me suis mis à travailler ma voix, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je trouve, le premier aspect, ce qui m'a fait flasher, c'est l'émotion directe. J'ai retrouvé des trucs, quoi. Enfin, bon, je me suis un peu reconnu. Ça, au niveau émotion, ça m'a fait vibrer quasiment autant qu'en fanfare. J'avais déjà connu cette émotion-là, mais là, bon, c'est plus fort, parce qu'il n'y a pas l'instrument entre deux, quoi. Là, au niveau de l'émotion, ça va, on a plutôt le trouillomètre dans la zone rouge, mais enfin, faut s'y faire, faut passer au-dessus. Enfin, il y a beaucoup de barrières, de machins qui tombent. En écoutant, chanter. Oui, c'est ça. C'est extrêmement dissonant, mais c'est ça. Les altos, on a une voix d'accompagnement. Hein. Et donc, quand on sait la mélodie, comme moi, Syracuse, je l'avais chanté des années, donc je connaissais la mélodie, il faut se défaire de la mélodie pour apprendre une autre voix. Alors là, c'est vrai que c'est difficile, on a tendance à se laisser emporter par les sopranis qui chantent, elles, la mélodie. En tout cas, ce qui se passe, c'est au niveau des altos, c'est bien parce qu'elle commence à... Je vais me faire tirer dessus si je dis ça. Mais qu'elle tire bien leurs notes, c'est pas mal non plus des fois. Enfin, quand ça arrive. Voilà, je suis bon. Elle est
rêver des amants de Vérone, au sommet du Fujiyama. C'est vrai que sur un plan strictement musical, Syracuse est très difficile. Il y a une chorale de Lozère qui a essayé de chanter Syracuse et qui se sont complètement plantés, ils se sont arrêtés en plein milieu, quoi. Donc c'est vrai que c'est une chanson difficile. Mais moi ça me fait pas peur, je connais bien les accords de jazz et j'entends très bien cette harmonie. Donc, et on y est arrivé, je veux dire, on y est avec du mal, mais on y est arrivé quand même, ça, et ça sonne quand même. Donc bon, donc, je suis fier de ça, je suis très fier de travailler à faire ça, quoi. Chante le matin, c'est super, vraiment, si on n'est pas réveillé le matin, on est en pleine forme quand on sort. Mais si on chante le soir, quand on sort, on est tout à fait réveillé, tout à fait comme si on avait bu un café fort, quoi. On est vraiment en pleine forme hein, quand on sort le soir. Beaucoup entre les répétitions, mais quand il va y avoir un concert, je travaille un peu plus. Alors je me dis que s'il y en avait un peu plus, je travaille un peu plus peut-être. Moi, il me semble que j'aimerais mieux qu'on se produise un peu plus souvent, personnellement. Peut-être parce que je suis un peu bouffon, je suis un peu cabot, c'est peut-être pour ça, quoi. C'est possible. Dans les concerts de chorale. En fait, je pense que si je fais une chorale de cette manière-là, c'est parce que je déteste les chorales, en fait. C'est horreur des chorales. Je m'ennuie profondément à écouter des chorales parce que je trouve ça très, très monotone, très ennuyeux. Et mon grand souci, c'est d'arriver à varier beaucoup les esprits, les styles, les époques, les langues, pour que ce soit vivant et que, ce soit que les gens aient l'impression que devant eux, il se passe quelque chose de vivant. C'est-à-dire, le public n'est pas là pour simplement applaudir à la fin des morceaux, il doit recevoir réellement quelque chose, quoi. Il y a une chose que je mets en avant à la chorale que je trouve formidable, c'est la diversité du répertoire. Toutes les origines, on a des musiques qui viennent de tous les pays du monde et ça c'est absolument extraordinaire. Parce que ça, c'est vraiment une ouverture sur toutes les cultures, toutes les formes de musique qui sont différentes. Ça va du jazz au folklore russe en passant par des chants sacrés, profanes et même des chants un peu comiques comme Don Leon ou des morceaux comme ça. Il y a vraiment une fantaisie complète, quoi. Au début, j'ai eu beaucoup de... J'avais la trouille quand on allait chanter en concert parce que j'avais jamais chanté en public. Et j'avais peur. Mais puis après, on s'habitue. C'est valorisant, le concert. C'est vraiment comme quand on fait une composition écrite, un petit peu. On est un peu noté par le public et par les uns et les autres, tous les gens de la chorale. C'est valorisant et c'est quand même agréable.
ça donne envie à d'autres gens de chanter quoi, quand il y a des concerts. C'est vrai que moi, c'est en voyant la chorale de la salle, pour la première année j'étais à la salle, j'avais très envie de venir à la chorale, mais bon, je me disais, bon, je sais pas bien chanter, puis je pensais qu'il fallait un niveau. Puis je les ai vus chanter au temple, puis je me suis dit, zut, ça me fait vraiment envie, quoi. J'avais vraiment envie de chanter ces chants-là, quoi. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, allez, j'y vais. Mais au début, j'étais vraiment timide, quoi. Enfin, j'osais pas, parce que je savais que les gens qui étaient à la chorale, ils étaient là depuis plusieurs années. Puis c'était un groupe, quand même, quoi. Donc ça fait un peu peur quand tu connais pas. Moi, j'ai eu assez de... J'ai pas eu de mal à m'intégrer à la salle, mais quand même, je suis restée... 6 mois à travailler là en rencontrant personne de nouveau quoi. Et à partir du moment où je suis allée à la chorale Talk, j'ai connu plein de gens quoi. C'était une ouverture quoi. Les répétitions, ouais, toutes les, ouais, c'est très important pour moi. Enfin, moi, quand je suis arrivée à la salle il y a 2 ans, j'allais mal, quoi. Et ça m'a fait vraiment du bien de savoir qu'il y avait la chorale toutes les semaines. Et pour moi, c'était assez, pourrait dire, thérapeutique, quoi. Vraiment, quoi. Je savais qu'il y avait ce moment-là de la semaine où j'allais me régaler. Et donc, bien, même si ça allait mal les autres jours, je me disais, bon, vivement samedi, la chorale. Je chante pas en chorale pour faire des concerts, quoi. En fait, si j'avais envie de faire des concerts, je ferais autre chose, je pense. Mais bon, Christophe dit que c'est nécessaire pour nous de faire des concerts. Enfin, disait, maintenant il ne dit plus, mais que c'était bien de faire des concerts, que ça nous apprenait à nous discipliner, quoi. Mais moi, je préfère l'aspect convivial, quoi. En fait, je crois que la plupart des choristes viennent là aussi pour se détendre, quoi. Et c'est vrai que l'ambiance est sympathique et les bouffes, c'est intéressant aussi, quoi. Je suis venu pour les deux quand même, hein, au début, je crois. Hein. Contact et le chant quand même. Mais ça me donne envie de faire plus de chant, quoi, même à côté. En fait, moi, ça fait depuis le mois de novembre là, que je suis là. Et j'ai aussi pris des cours, tu vois, ça m'a donné tout de suite envie de prendre des cours avec Marie-Claire, une nana qui donne des cours ici, quoi, de chant. Et ça me donne aussi, l'année prochaine, je vais aussi prendre les autres cours que fait Christophe aussi. Non, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est super la voix, quoi. Ça te fait du bien. Et puis, le fait de, quand tu chantes chez toi ou tout ça, tu chantes des airs que tu connais ou t'écoutes, Moi, j'étais plutôt un peu dans l'imitation de ce que je chantais, tu vois. Tandis que là, c'est... La façon de bosser, chorale, avec des voix, j'ai l'impression plus de découvrir ma voix, quoi. L'envie de chanter augmente. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai plus envie de... Même de chanter avec des petits groupes, les répétitions du lundi soir et tout, c'était très bien, quoi. Ça nous a permis de répéter. Et puis, c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Voilà. Et on peut tout de suite, ça va.
ambition musicale, parce que pour moi, ça, tout ça n'est possible que si j'ai une exigence musicale avec la chorale. C'est-à-dire, si je faisais qu'un travail relationnel, ça ne marcherait pas. Ça ne marche que parce que le projet musical est intéressant. Et que, en fait, les gens se rassemblent autour de quelque chose qui les dépasse un peu, qui les stimule, qui les sort de leurs soucis quotidiens et de leur vie quotidienne. Parce que quand on propose des chants africains, et puis du Purcell, des opéras baroques, tout ça mélangé, moi je trouve que c'est extrêmement stimulant pour tout le monde. J'ai la frousse parce que c'est nouveau, c'est la première fois que je chante, donc en concert devant un public, c'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant, quoi. Parce qu'en plus je suis pas sûr de la voix, donc c'est des risques, on prend des risques, quoi. C'est jamais facile de se mettre en scène, enfin de chanter, c'est pas facile, hein. Moi j'ai énormément de mal à chanter. Et je pense que les femmes sont peut-être plus... Enfin, je sais pas, je dis ça par rapport au théâtre aussi. Moi, je fais du théâtre, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, quoi. Les femmes sont peut-être plus libres, d'une certaine façon, je sais pas. Et je crois qu'on n'est pas chef par hasard, hein. on est chef de chœur parce qu'on a un tempérament de chef de chœur. Et le tempérament de chef de chœur, ça n'a rien à voir avec la compétence musicale.
ça a à voir avec l'envie de faire chanter les autres et l'envie de faire partager un plaisir musical très simple, finalement très, très primitif à tout le monde, quoi. Et moi j'adore ça, vraiment j'adore ça, ça me fait plaisir. Et je, quand je vois la tête des choristes quand ils sortent de la chorale, ça me fait plaisir. Et ils disent eux-mêmes que ça leur fait beaucoup de bien, qu'il y a même des gens qui m'ont dit que ça avait une fonction très thérapeutique pour eux. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de soucis, qu'on est un peu stressé, qu'on est un peu mal, on vient à la chorale et pendant 2 heures on chante, on oublie tout, on se concentre sur quelque chose qui nous dépasse. Écoute, moi je trouve que Christophe est parfait. Moi je lui donne 20 sur 20 à Christophe, il est vraiment extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Il est très humain, il sait nous arrêter quand ça va un peu trop loin dans le chahut, mais avec beaucoup de douceur. C'est trop bien ce qu'il fait, c'est hyper généreux, je trouve. Même il pourrait dire, habitant la salle, j'ai pas envie de me lever tous les samedis matins pour aller faire chanter mes copains comme ça. Et puis il le fait, je trouve ça super, quoi. Et s'il arrêtait, bah, ce serait terrible. Qu'est-ce qu'on ferait le samedi matin? Moi, je trouve qu'il est parfait, notre chef de chœur. Je trouve qu'il est très patient, déjà. Et que c'est pas facile, quoi, de diriger 50 choristes. Enfin bon, on n'est pas toujours 50, mais c'est pas facile pour lui. Et moi, quelquefois, j'ai enregistré les répétitions pour essayer de travailler chez moi. Et quand j'écoute, je dis, il faut lui dresser une statue, parce que il y a des moments où ça doit être difficile, quoi. Il y a un brouhaha. Il est peut-être, à mon avis, pas assez sévère, parce qu'il nous dit souvent, quand il fait travailler un registre, les autres papotent, ça je lui peine un peu, et c'est nous qui le faisons peiner, je me sens un peu coupable comme les autres, parce que je suis bavard, il m'arrive bien de parler quand je ne devrais pas. Quoi. Il a toutes les qualités de musicien, de pédagogue et d'apporter toute la convivialité qu'il faut dans l'ambiance de la chorale. Bon, simplement, moi, ce que je souhaiterais, c'est un peu plus d'être un peu plus, pas dirigiste, mais un peu plus sévère pour la régularité de présence, des horaires, etc., pour qu'on puisse faire un travail mieux fini. Enfin. Mon tempérament, c'est pas d'obtenir les choses par la force ou par la par la discipline. Mon tempérament, c'est d'essayer d'obtenir les choses par le plaisir et par la tendresse et par le plaisir partagé, quoi. Si on donne du plaisir aux gens, les gens ils font attention. C'est vrai qu'il y a un petit problème d'attention et de discipline là, qui est un peu casse-pied en ce moment. Bon, je pense qu'il faut que je fasse un peu plus attention moi-même, à être vigilant là-dessus. Et souvent, je me laisse moi-même déborder, c'est-à-dire que je me laisse trop gêner par le bruit qu'il y a en permanence dans la chorale. Et ça me fatigue énormément et ça fatigue tout le monde, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est à moi de faire de temps en temps de dire un mot là-dessus. Je le dis de temps en temps, je pense que je le dis beaucoup, mais les gens n'entendent pas en fait. Bon, il faut probablement que je fasse plus attention à ça, effectivement. Ouais. Il pourrait être plus sévère, mais je ne sais pas si je serais à la chorale s'il était plus sévère. Ça va. Peut-être j'aurais abandonné s'il était plus sévère. Ah oui, je crois qu'on s'est habitué à avoir notre papa là. Enfin, pour moi, quelque part, il y a un côté infantile, enfin, un côté collégien, et de m'en remettre effectivement à l'autorité de Christophe. Je ne sais pas, ça... Oui, je reconnais que... que ça me convient. Soon I will be gone away, the traveler of the world, going home to see my own, to see my own. Soon I will be
travel the world. Soon I will be done away with the travel of the world. Going home to see my Lord. To see my Lord. En fait, les choristes ne s'en rendent pas compte, mais c'est un échange. Ce n'est pas du tout moi qui donne et je ne reçois rien. Je reçois aussi du bonheur et des ondes positives. Quand je vois les sourires des gens, quand je vois le plaisir qu'ils prennent à chanter et les efforts, ils découvrent, c'est des gens qui découvrent un monde. Ils découvrent que en fait, c'est un pied pas possible de chanter. Alors à table justement, quand je dis quand on est très content, on chante. Donc là aussi il y a une tradition peut-être latine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on chante beaucoup après un repas. Alors évidemment quand ce sont des choristes qui se retrouvent, c'est pas un problème. Simplement appeler ça chanter, c'est parfois un peu douteux, c'est souvent plus brailler que chanter. Surtout quand on a bu un coup de trop. Il me semble nécessaire de repréciser le principe du canon. Normalement on ne chante pas tous la même chose. Ah oui, effectivement, ça se termine soit par une chanson, soit par une bouffe. Là, on a les deux, alors on ne va pas se plaindre. Ah ouais, moi, j'aime bien ça plutôt. Ouais. Ouais, faudrait qu'il y ait le 14 juillet à peu près une fois par mois, ce serait bien. Il y a même Jean-Pierre qui nous joue de l'accordéon. Allez, viens de boire un petit coup à la maison, à la maison. 3, 12. Mes expressions, 3, 12. Je reconnais mes œuvres. C'est formidable, hein. Je suis cité, mais ça marche. En plus, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, 40, 24. Je crois que l'ambiance quand on mange, c'est... Bon, tout le monde fait quelque chose pour faire plaisir aux autres, oui. Mais je crois que le plus important, c'est l'ambiance, c'est de chanter ensemble. Et... Vraiment, c'est quelque chose, le chant. Oui. Ça réunit les gens. C'est un tout parce que les répétitions, il faut qu'elles soient faites et c'est important d'être rigoureux dans ce qu'on fait. Les petites bouffes, ça fait partie de la convivialité, du plaisir d'être ensemble. Et puis les concerts, c'est agréable parce que c'est un aboutissement, un concert. Enfin, ça,
ça devrait être un aboutissement dont on soit contente du travail qu'on a fait et du plaisir qu'on a eu à chanter ensemble et du plaisir qu'on a donné à ceux qui viennent nous écouter. Toutes les chorales, c'est pas cette chorale-là, toutes les chorales sont toujours le reflet de leur chef, toujours. Et c'est très difficile à assumer parfois parce qu'il y a toujours des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Par exemple, le fait que la chorale soit totalement indisciplinée, très bordélique et qu'il y ait du bruit tout le temps, malheureusement, c'est de ma faute. C'est moi qui en fait, ai envie que ce soit vivant. J'ai pas du tout envie d'imposer un silence. De travail très rigoureux, comme ça se fait beaucoup dans les chorales. La plupart des temps, les chorales, les gens sont tenus en laisse par le chef de chœur. Bon, je trouve ça très frustrant, quoi. Effectivement, le danger de cette chorale, c'est que si je suis plus là, je pense qu'en tous les cas, elle changera de nature, elle ne sera pas la même, ça c'est impossible. Mais c'est vrai de toutes les chorales, pas de la mienne seulement, c'est vrai de toutes les chorales. Donc, moi je pense que j'amène ma personnalité et que c'est aussi ça qui rassemble les gens. Je crois que c'est ma manière de faire de la musique, de proposer de faire de la musique ensemble, que les gens aiment bien. Une chorale, c'est un fonctionnement, je crois, assez complexe en termes humains. Il y a quelque chose, il y a des relations très, très émotionnelles, très affectives avec le chef. Je sais, par exemple, pour en avoir discuté avec certains, ils n'envisageraient pas du tout de venir à une chorale si ce n'était pas Christophe, par exemple. Je sais que là j'anime une petite répétition, j'ai animé pas mal de reprises pendant les 6 derniers mois, une petite répétition le lundi soir. Et je sais qu'il y en a certains qui venaient parce qu'ils avaient très envie de chanter avant tout, et ils se foutaient un petit peu de savoir qui dirigeait. Mais il y en a plein d'autres, c'est pas Christophe, je viens pas, quoi. C'est vraiment quelque chose de très affectif.